Voilà Olivier, vous venez de battre Vizé en demi-finale par un score de 53-7, donc c'était un score sans appel. C'était un match très plaisant. Qu'en penses-tu, toi, qui étais le guerrier sur le terrain? Oui, match très plaisant. On s'est vraiment fait plaisir sur le terrain. Je pense que ça a commencé une très belle préparation de match. On est venu ici à 9h30 pour bien se préparer mentalement. On a eu la chance de marquer directement. Et après, malheureusement, Vizé était qu'à 17. Ils ont eu deux blessés au début de match, donc voilà, on a pu dérouler, tout le monde a fait son match. C'est ça, on ne connaît pas encore votre adversaire pour la finale, c'est soit BOS soit Standard. Peut-être aurons-nous le résultat avant la fin de l'interview. Mais je crois que vous êtes préparé mentalement pour gagner cette finale sur vos nouvelles installations d'Odergem. Tout à fait, on va se préparer comme aujourd'hui. Là, on a deux semaines pour s'y mettre. On a une belle revanche à prendre si c'est Standard qui a gagné. Là, ils nous ont vraiment cueillis à froid et fait un grand match contre nous il y a deux semaines. Donc voilà, on est tous prêts mentalement pour gagner cette finale. Oui, et de notre côté, BWest, c'est une des deux rares équipes à vous avoir battu depuis plus de 18 mois. Donc finalement, ça va être des matchs âpres. Oui, les deux équipes nous ont battus une fois, donc on a une revanche à prendre et voilà, on sera d'autant plus agressif sur le terrain. Vous avez fait un excellent parcours cette année, ça fait déjà deux ans que vous faites un excellent parcours. Bon, on se demande quand ça va s'arrêter. Mais enfin, bon, ce que vous souhaitez, c'est de faire une belle finale et de remporter le titre alors que vous êtes déjà champion sur le championnat traditionnel. Donc, ce sera une cerise sur le gâteau. Merci Jean, oui, je pense que tout le club mérite de monter en troisième division. Il y a le noyau, il y a l'encadrement, donc voilà, on va faire ce qu'il faut dans deux semaines. Ok, je te remercie Olivier, bonne chance au 22. Merci Jean.